le soutien aux Kurdes de Syrie. Ça se passe aussi à Paris, nouvelle manifestation qui a réuni des milliers de personnes. Les manifestants dénoncent l'attitude de la Turquie. Les précisions avec Yannick Hézard. Nous dénonçons encore une fois le comportement de la Turquie qui est de fermer ses frontières, d'empêcher les Kurdes d'aller rejoindre la résistance à Kobané, de ne pas laisser les Kurdes de Kobané être évacués lorsqu'il y a des blessés, qu'on puisse leur apporter un soutien logistique. Et à côté de ça, on observe toujours le passage des djihadistes qui viennent via la Turquie rejoindre Daesh.